nous avons engagé donc un processus de mutualisation de certains services, puisque nous sommes sur le thème un hôpital, deux sites. Ça, c'est un concept nouveau, hein, qui fait que on est sur cette voie-là, en commençant par certaines spécialités, notamment, bon, mes collègues de Falaise, mon collègue de Falaise a perdu sa maternité, ça n'empêche qu'il y a toujours de l'activité gynécologique à Falaise, et que les accouchements se font à Argentan. Il y a ce domaine-là. Il y a le domaine de l'orthopédie, où des orthopédistes vont travailler, par exemple, des orthopédistes argentanais vont travailler à Falaise, et pourquoi pas le contraire. Ça, c'est en train de s'engager au point de vue de l'urologie, par exemple. Et puis, il y a aussi des discussions qui sont dans d'autres domaines hospitaliers. Vis-à-vis des patients, on veut faire en sorte que dans la population, on ait dans la tête que sur le plan de la santé, Falaise et Argentan, on peut aller de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Ça, c'est clair. Mais aussi sur le plan hospitalier, c'est-à-dire les services hospitaliers eux-mêmes, on a affaire à des hommes. Il y a encore très peu de temps, d'ailleurs, monsieur le directeur de Falaise le disait tout à l'heure, il était inconcevable de pouvoir dire à quelqu'un, demain matin, tu vas aller passer une demi-journée dans le site d'à côté. Donc, ce qu'ont fait les directeurs, ils ont fait une conférence de direction, auxquelles les présidents d'ailleurs assistaient, et les gens se sont d'abord rencontrés. Se rencontrer, c'est d'ailleurs se connaître, parce qu'on a pu imaginer, c'est peut-être imaginable, mais c'est comme ça, il y a des spécialistes d'Argentan qui ne connaissent pas cette falaise, et vice-versa, qui ne connaissaient pas. Et petit à petit, quand on sent que les hommes sont partants pour partager entre les deux hôpitaux, on engage. C'est pour ça que je vous ai dit, on se rencontrera peut-être dans 6 mois ou 8 mois, et on refera un nouveau bilan, voir si ce qu'on a vu en orthopédie, en gynécologie ou encore en urologie va se prolonger dans d'autres spécialités.